Il y a Valina Jacob qui nous a préparé cette image. Sergi, vous rencontriez donc en finale un compatriote. Est-ce que c'était plus difficile sur le plan de l'émotion de jouer un copain, de jouer un Espagnol? Oui, peut-être un peu plus, non? Quand tu joues avec un joueur du même pays, il y a un peu plus de tension et c'est plus difficile parce que tu te connais très bien et tu es très ami, alors c'est difficile. Ah oui, Marie qui dit good shot, c'est vrai, joli coup. Joli coup. Qu'est-ce qu'il fallait, quelle était la tactique que vous avez mise au point avec votre père pour justement contrarier les frappes de balles d'Alberto? Oui, je crois que tu ne dois pas lâcher d'attaquer Alberto parce qu'il frappe incroyablement fort sur le coup de droit. Alors tu dois faire plus de pression, toi à lui, que lui à toi. C'est vrai qu'il a tapé très très fort pendant tout le tournoi. Et là encore, il arrive à trouver un angle très très court, à croiser beaucoup sa frappe en coup droit. Mais disons que vous l'avez neutralisé parce que vous n'avez pas donné la possibilité de s'appuyer sur votre balle pour donner de la vitesse. Je crois que j'ai fait les maximes tout le temps et lui aussi. Et c'est beaucoup difficile de jouer contre un joueur comme Alberto. Et vous êtes encore fatigué. On a eu un moment l'impression que vous étiez très fatigué. C'était pendant la troisième manche, pendant le troisième set, où vous marquiez un petit peu le coup physiquement. C'était difficile. Je crois que lui et moi, dans le troisième, on est mort. Mais alors, lui a pris plus de risques. Il a attaqué toutes les balles. Alors, il a contrôlé plus le match que moi. Alors, c'est couru. Et après, à la quatrième, j'ai pensé de faire le même que lui a fait dans le troisième, de frapper plus fort que lui. Alors le score, ça fait 6-3 pour vous dans la première, 7-5, vous menez 2-7 à rien. Et c'est vrai, dans cette troisième manche, il est revenu, Alberto, pour l'emporter 6-2. Et finalement, votre joie, 6-1 dans la quatrième, c'était un beau moment, car vous êtes vraiment très très heureux. Luis aussi, le papa était très très content. Hein. Oui, je suis très content. Gagner une fois ici, c'est incroyable, gagner deux fois, c'est la folie. Voilà, les deux garçons, les deux finalistes dans les bras l'un de l'autre avec le roi d'Espagne qui était présent pour vous remettre la coupe et vous, Sergi, qui disait j'ai fait un vœu une nouvelle fois, c'était de remporter Roland-Garros. Eh bien, une nouvelle fois, votre vœu est exaucé. C'est incroyable, la chance que vous avez de pouvoir exaucer vos vœux.